J'espère que ça va bien. Ça faisait une éternité que j'avais pas vlogué et pour être franchement honnête, j'en avais besoin. Faire des vidéos, ça me fait du bien. C'est un côté thérapeutique pour moi et en ce moment, je suis en PLS dans absolument tous les domaines de ma vie, que ce soit professionnel, personnel et je parle même pas du contexte sanitaire actuel qui est hyper anxiogène. Si tu me suis un petit peu sur les réseaux sociaux, tu dois savoir de quoi je parle. D'ailleurs, je suis désolée, hein, je fais des efforts pour essayer de véhiculer du positif, surtout dans mes stories. Je suis pas mal active en story sur Instagram. Je te mettrai mon profil dans la barre d'infos si ça t'intéresse de me suivre. Et en ce moment, c'est un petit peu compliqué parce que l'actualité du moment affecte beaucoup ma santé mentale, hein, pour dire les choses telles qu'elles sont. Du coup, je m'étais dit, voilà, vu que ça me fait du bien de faire des vidéos, vu que ça me permet d'oublier un petit peu le quotidien, je vais vlogger. Et en plus, ça fait une éternité que j'ai pas fait de vlog, ça doit faire quasiment plus d'un an. Donc je me suis dit, allez, let's go. Donc je pense que ça va être un vlog sur plusieurs jours parce que j'ai pas forcément de contenu suffisant à poster sur une seule journée. Donc ce sera une espèce de weekly vlog où je vais essayer de te partager des choses qui font sens, ce que je fais pour essayer de gérer mon stress au quotidien, parce qu'en ce moment je suis beaucoup stressée. En espérant que ça puisse t'aider également, ce que je fais, voilà, ce que je mange, etc. Aujourd'hui, je suis super contente, il y a du soleil. Franchement, ça faisait plus d'un mois qu'on l'avait pas vu. Je suis dans le nord de la France. Je pense que si toi aussi tu es nordiste, tu dois savoir de quoi je parle. Il y a un soleil, ça fait, enfin, le ciel est bleu, ça fait tellement du bien au moral. Donc, je suis en télétravail. Et je pense que là, ben, je vais profiter de ma pause du midi pour aller faire un tour, pour aller marcher, prendre le soleil, parce que j'en ai bien besoin. Là, il est midi et j'en ai profité pour aller marcher un petit peu et profiter du soleil. J'ai la chance d'avoir un parc juste à côté de chez moi et franchement ça fait du bien parce que comme je l'ai dit, ça faisait quasiment un mois qu'on n'avait pas vu le soleil et ça se ressent vachement sur le moral. Hein. De ma petite balade et c'est l'heure de manger et je pensais me faire cette petite poêlée de riz noir aux légumes que j'ai trouvé dans mon carrefour.
parce que j'ai la flemme de cuisiner. Ça fait plusieurs jours que je la teste et que j'en mange et franchement c'est vraiment pas mal. Les ingrédients sont hyper clean, c'est pas bio mais il n'y a aucun additif et aucun conservateur ajouté. C'est que des légumes et des épices et c'est super bon. Du coup, je ne l'ai pas dit, hein, mais il y a des pois chiches, des petits pois, du riz, de l'oignon, des brocolis. Et en vrai, le riz noir, j'avais jamais goûté, c'est super bon. C'est un indice glycémique plus faible que le riz blanc. Je vous reprends du lendemain, il est midi 25, donc je suis en pause, toujours en télétravail. J'ai pas continué à vlogger hier parce que j'avais pas grand chose à montrer. Par contre aujourd'hui j'ai envie d'aller chez Célio, donc de profiter de ma pause du midi pour aller chez Célio. Pourquoi? Parce que en bonne fangirl que je suis, j'ai vu la story de Mon Corvo qui faisait un placement de produit. Donc voilà, je suis une pigeonne plus plus et j'assume. Donc Mon Corvo, si tu connais pas, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, ce sont des youtubeurs qui parlent de manga, majoritairement de One Piece et de l'Attaque des Titans. Donc ils ont une chaîne dédiée pour chaque manga et c'est eux qui se cachent derrière Kamal et Kita, si tu connais un petit peu le monde de l'Attaque des Titans. Et en fait Célio a sorti une collection de pulls et de hoodies l'Attaque des Titans. Et j'adore ce manga, si tu me connais un tant soit peu, je suis une vraie fan depuis quasiment 10 ans maintenant. Et du coup, je vais aller voir si dans le Célio qui a pas loin de chez moi, la collection est dispo. Franchement, les pulls sont juste canon. Alors c'est pour mec, mais je m'en fous. Donc il y a des t-shirts aussi. Et je m'étais dit, allez, je vais me faire plaisir, j'en ai bien besoin. Et je vais peut-être en profiter aussi pour faire des petits cadeaux. Donc voilà, voilà, je vous emmène avec moi. Du coup, voici mon butin. Je suis revenue avec un pull. Donc là, c'est Eren. Si tu connais un petit peu l'Attaque des Titans, je l'ai pris
En taille S, comme c'est un modèle homme, il me va assez loose, je vais l'essayer après. J'ai également pris le hoodie blanc, seulement il n'y avait pas ma taille, donc je l'ai commandé, je le recevrai d'ici quelques jours. Voilà ce que ça donne une fois porté. Je le trouve canon. Il est hyper chaud. C'est une matière polaire en dessous en fait. Pressing down through the ball of the foot and the front foot, squeezing through my glutes. Petit talk. Il est 4h et j'ai décidé de m'octroyer une petite pause bien méritée. Je suis toujours en télétravail. Et je vous disais en début de vidéo que j'étais assez stressée en ce moment. C'est notamment à cause de mon travail. Ça se passe pas très bien. Alors j'ai jamais pris la peine d'en parler en vidéo parce que je suis pas forcément à l'aise de parler de ma vie de façon générale, mais je me suis dit pourquoi pas. Alors, je suis désolée, la luminosité est assez pourrie, il est 4h et le soleil va bientôt se coucher, du coup j'allumais la lumière de ma cuisine qui fait un reflet un petit peu jaune dégueu. En ce moment je me pose pas mal de questions. Ça fait 10 ans que je suis rentrée dans la vie active, ça ne me rajeunit pas du tout. Je vais sur mes 34 ans en avril prochain. Et ça fait 8 ans que je suis en informatique. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis ingénieure en informatique, mais à la base, j'ai fait des études de biochimie, donc j'ai travaillé 2 ans dans mon secteur initial. Et 8 ans en informatique, donc ça me fait 10 ans de bouteille, ça fait bizarre, c'est passé tellement vite et en même temps il y a certaines années que j'ai senti passer. Et oui, en ce moment c'est pas la joie, il n'y a pas une bonne ambiance au travail, ça se passe pas très bien avec mes collègues, ça manque de communication et de cohésion et ça commence à me peser lourdement. Cette année, de toute façon, sur le plan professionnel, c'était pas la folie non plus. Hein. J'ai changé 3 fois de job et à chaque fois, ça s'est plutôt mal passé. Du coup, on va dire que sur le plan professionnel, 2021, c'était pas la grande réussite. Pour remettre un petit peu de contexte, quand on travaille dans l'informatique en général, on est positionné en mission chez un client. Donc notre boîte, mon employeur me positionne chez un client et si ça se passe mal, on a l'opportunité de pouvoir arrêter la mission si on en a envie, donc c'est un avantage. Et voilà, cette année, 3 changements de mission, 2 démissions, c'était assez folklorique. Et j'en viens de plus en plus à me dire que je vais sûrement pas finir ma carrière en informatique hein, parce que ces derniers temps, je me sens de moins en moins alignée avec ce que je fais. Pour autant, quand j'ai démarré il y a 8 ans, je me suis éclatée, j'ai eu des missions géniales, j'ai fait la connaissance de collègues qui sont absolument incroyables sur le plan humain et qui m'ont apporté énormément. Donc ça a été très riche. Et il y a juste cette dernière année avec le Covid où c'est pas la joie, quoi. Où c'est pas la folie. J'envie un petit peu ces personnes pour qui c'est tout tracé, qui savent déjà ce qu'elles veulent faire en sortant du bac et qui, voilà, trouvent tout de suite leur voie. Moi, ça n'a pas été mon cas. Ça a toujours été
chaotique, je savais pas ce que je voulais faire. À la fin de mes études, je sentais que je finirais pas non plus dans mon secteur initial. J'ai fait 2 ans et j'ai fini en burn-out. Clairement, faut toujours s'écouter dans ces cas-là. Et potentiellement, l'informatique, ça risque aussi de me gaver à la longue. Alors là, ça va encore. Et puis, de toute façon, un changement de carrière, ça se prépare toujours en amont. Faut jamais s'y prendre comme ça sur un coup de tête. Beaucoup dans mon entourage, et puis j'ai eu certains commentaires qui me disaient qu'il fallait que je me reconvertisse en coach, en diététicienne, en naturopathe, etc. Enfin, ce genre de choses. Alors, je me vois pas du tout coach. Je le sens pas vraiment, même si voilà, le contenu que je propose sur ma chaîne s'y apparente. Je me vois pas coacher du monde parce que ça nécessite beaucoup d'énergie et je sais pas si j'en ai la capacité. Maintenant, c'est sûr que voilà, faut essayer pour le découvrir, faut expérimenter. La naturopathie, par contre, ça m'attire beaucoup plus et potentiellement, je risque de me former prochainement. Mais voilà, pareil, ça se prépare. C'est des formations qui sont assez onéreuses, qui coûtent plusieurs milliers d'euros. Hein. Je peux pas faire ça non plus comme ça en un claquement de doigts. Ça se prépare, j'ai des factures à payer, il faut que je me nourrisse aussi. Donc voilà, tout ça en ce moment, c'est en train de cogiter doucement dans ma tête. Il y a certaines idées qui commencent à mûrir. Je coucherai tout ça sur papier, je définirai des plans d'action pour essayer de remettre tout ça dans l'ordre. Et je vous disais que j'étais pas mal stressée ces derniers temps. Du coup, je prends pas mal de compléments alimentaires pour essayer de m'apaiser. Et notamment à cause de mon stress, je fais pas mal d'insomnie ces derniers temps. Du coup, pour le sommeil, je prends de la valériane et de la passiflore. Et franchement, ça marche assez bien. J'en prends en fin d'après-midi / début de soirée, 4 gélules de chaque. Je prends également de l'ashwagandha. Alors ça, j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne. C'est une plante adaptogène. Donc je la prends sous forme de poudre. Elle existe également sous forme de gélule, mais je le déconseille parce que ça coûte beaucoup plus cher et c'est pas du tout efficace. Il faut vraiment en mettre la blinde. Donc je mets 2 cuillères à café dans mon infusion ou dans du lait végétal chaud. Et je bois ça le soir et en addition avec la valériane et la passiflore, j'ai réussi à retrouver un sommeil plus réparateur. Et en complément également, vu que je faisais vraiment des insomnies, je prends ça. C'est un complément alimentaire aussi à base de plantes et de mélatonine. Donc, ça s'appelle Arco Relax, des laboratoires Arco Pharma. C'est végétal, hein, y a aucune accoutumance, aucun effet de dépendance. Et, voilà, ces 4-là, en synergie, ça a fonctionné du tonnerre et j'ai réussi à retrouver le sommeil. Et aussi, je prends de l'huile de foie de morue. Ça, c'est top pour le système immunitaire et pour l'équilibre nerveux parce que c'est riche en acides gras insaturés, en oméga 3 et en oméga 9, si je dis pas de bêtises. Et c'est très bon pour l'équilibre nerveux. Voilà pour mon petit arsenal anti-stress, anti-insomnie du moment. Thank you.
you got it. You want your roller coaster. Don't ask me about my freedom. Don't ask me about my wisdom. You want it, you need it, but why? Voilà ce que ça donne porter. Je suis enchantée. Il me va un petit peu loose. C'est exactement ce que je voulais. Je l'avais pris en XS initialement, mais je trouvais qu'il était un petit peu trop près du corps et j'ai bien fait de le commander en S. Et j'ai oublié de le dire, hein, mais le sweat vaut 39,90€, donc une quarantaine d'euros quoi. Les deux valent ce prix-là. C'est un petit peu cher. Mais c'est de la bonne qualité et ils tiennent hyper chaud. Du coup, si tu les veux, je t'invite fortement à aller te rendre à ton Célio le plus proche ou à commander en ligne. Mais il y a beaucoup de modèles qui sont out of stock déjà. Beaucoup aussi de tailles qui sont épuisées, donc ça part très vite. Je pense que c'est un petit peu lié à la story de Mon Corvo sur Instagram. Ils ont beaucoup de followers et il y a beaucoup de fans de l'attaque des Titans. Moi, dès que je l'ai vu, j'ai couru à mon Célio le plus proche pour essayer de choper un maximum d'items. Il y a pas mal de t-shirts aussi. Il y a 3 ou 4 modèles de t-shirts qui sont super sympas. Mais bon, moi, je porte pas de t-shirt, donc j'en ai pas pris. Et je suis plus une... J'adore les sweats, donc voilà. Ce midi, je me suis commandé un poké de chez Pokawa avec des falafels. J'avais vraiment la flemme de me faire à manger, comme d'habitude. Hein. Donc, je me suis fait un petit peu plaisir. Ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé en plus. Oh.